Après un mois de dur labeur en formation gratuite de nouages de foulard, make-up et cosmétiques, plus d'une cinquantaine de jeunes dames reçoivent ce jour, samedi 10 juin 2023, leur parchemin. C'était en présence de têtes couronnées, hommes religieux et personnes de marque. Les formations en make-up, nouages de foulard, fabrication de produits alimentaires et cosmétiques étaient de la partie pendant cette période de formation qui fait l'objet de notre rassemblement ici en ce moment. Par ailleurs, plusieurs autres actions et enseignements ont été abordés, à savoir les enseignements à la vue de foyer et toute autre leçon de savoir-vivre, la sensibilisation du 26 mai avec l'appui des forestiers sur l'importance des arbres, suivi de la plantation dans les EPP Laquais et Akpamé le 1er juin. La campagne du sang, du don de sang le 2 juin avec la coordination du CNTS afin de participer à sauver des vies. Avec nos récipiendaires de ce jour, nous sommes heureux d'avoir franchi la barre de plus de 1100 bénéficiaires avec 7 différentes communes parcourues. Plus de 9 éditions réalisées. Nous espérons toujours continuer à nous battre en ce sens, malgré le manque de soutien et d'accompagnement, en vue de donner du peu que nous avons à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. L'honneur m'est échu de vous adresser au nom de mes consoeurs récipiendaires quelques mots de remerciement, et je voudrais les dire à l'aune d'une célèbre phrase que nous devons à la très inspirée Melinda Gates. Elle écrivait en effet que les filles et les femmes devraient pouvoir décider de leur avenir, quel que soit l'endroit où elles sont nées. Elle se réjouirait sûrement de savoir que dans un pays, bien lointain de son Amérique natale, une ONG a pris à la lettre son souhait en s'attribuant pour mission de donner aux femmes et aux jeunes filles, en particulier aux veuves, aux démunis et aux orphelins, les âmes de prendre en main leur destin et de décider de leur avenir. C'est l'occasion de louer les mérites de l'ONG Nundesera et de magnifier le génie de ses dirigeants qui, sans nous prendre aucun sou, a initié cette formation dont nous avons bénéficié. Nous appréhendons à leur juste valeur les sacrifices auxquels vous avez consenti pour nous offrir ce savoir. Il est désormais entre les mains des femmes de décider à venir au bout de la pauvreté. Soyez rassurés, nous en ferons bon usage. À vous, parents, amis et invités, qui êtes venus si nombreux nous entourer de votre proximité en ce moment de joie, merci de nous avoir préférés à vos multiples autres activités, sûrement toutes importantes. Que notre amour et votre solitude trouvent en ces lits la gratitude de nos cœurs. Nous prions le ciel de continuer à donner aux uns et aux autres la force et les moyens de pérenniser de telles initiatives pour que de nombreuses femmes, comme nous aujourd'hui, se libèrent du poids de présenteur social qui nous réduisait autrefois à faire des travaux domestiques, à faire des enfants et à nous en occuper, et puis qui nous privait de faire quelque chose de nos mains, de nos talents et de nos capacités. Vous savez, qui ignore l'existence de Dieu n'existe pas, il s'ignore, parce qu'il ne sait d'où il vient et où il va après la vie terrestre. Et notre passage ici-bas n'a que de sens que si nous nous occupons des indigents, surtout des veuves et des orphelins. C'est biblique. Pour que le nom que nos parents nous ont donné quand on venait dans ce monde se perpétue, il faut que nous laissions derrière nous, n'est-ce pas, de bonnes œuvres. Que nous posions des actes qui vont immortaliser ce nom qu'on nous a donné. Et je pense que c'est ce que Alphonse est en train de faire. Mes impressions sont très bonnes parce que Nessewa a été un ONG que nous avons connu il y a bientôt un mois.
Et nous avons entendu parler de tout ce qu'il fait pour relever la dignité de cette femme et de donner à la femme aussi la capacité de se former pour se prendre en charge et reculer aussi le niveau de la pauvreté dans la dynamique de pouvoir rassurer à leur famille de quoi survivre. Et ça, ça mérite vraiment des applaudissements, ça remise vraiment de l'honneur et de la reconnaissance. Alors nous, comme partenaires, nous avons signé un contrat de partenaire avec lui. Pour travailler ensemble, nous sommes venus aujourd'hui l'assister. Cyprien, nous vous disons vraiment félicitations. Et nous croyons que le parchemin, c'est le départ de pouvoir s'insérer dans la société. Ce n'est pas pratiquement l'arrivée, non. Dès qu'on a le parchemin, maintenant, il faut prévaloir ce que nous avons appris. Et c'est ça qui te donnera le pain, de pouvoir manger chaque jour et de pouvoir rayonner devant la face du monde. Alors on vous encourage vraiment à s'installer et à commencer par faire de quoi vous avez vraiment eu comme connaissance et de montrer en face du monde que l'ONG vous a donné vraiment des âmes pour vous initier. Alors donc on vous souhaite vraiment plein de succès dans votre exercice et nous allons aussi, comme Foyer de Nobosco, venir aussi petit à petit en appui à ceux qui n'ont pas pu avoir des matériaux pour s'installer, à s'installer. Alors donc c'est ce travail que nous allons faire aussi dans les jours à venir pour voir tous ces représentants, les voir s'installer, les voir épanouir. Donc c'est ce défi que nous vous donnons à côté de vous pour vous accompagner. Le président de l'ONG Noué Seora donne quelques précisions et conseils à l'endroit des nouveaux récipiendaires. Avec l'ONG Noué Seora, au revoir au chômage dans tous les foyers. Merci beaucoup.